Mogadiscio, une ville qu'on appelait jadis la perle blanche de l'océan Indien. Elle est devenue un véritable champ de bataille où la survie est un job à plein temps. Vas-y. Tiens, celle-là, c'est notre voiture de tête. Bachir assure ma sécurité dans cette ville pas comme les autres. C'est le directeur de l'hôtel de la paix, où le prix des chambres inclut petit-déj et 30 gardes du corps armés jusqu'aux dents. Nous allons faire demi-tour. Non, on continue tout droit. C'est important d'apprendre à rouler vite ici, non? Ouais, c'est très important, parce que tout peut arriver. Tu vois là, il transporte un blessé. C'est les combats de ce matin? Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre avec Mogadiscio, c'est que c'est même la capitale de la Somalie, mais que cette capitale est complètement assiégée de toutes parts par Al-Shabaab, qui est cette espèce de rebelle ultra-islamique qui se revendique d'Al-Qaïda en ce moment. Et donc, c'est assez incroyable, on n'en parle presque jamais, mais en fait, cette ville est complètement assiégée. Depuis 2007, le groupe islamiste Al-Shabaab se bat pour renverser le gouvernement somalien de transition et imposer la charia. Aujourd'hui, les islamistes contrôlent presque tout dans le pays. Le seul rempart contre eux, ce sont ces 5000 soldats de l'Union africaine qui ont été déployés pour protéger les quelques kilomètres carrés encore aux mains du gouvernement de transition. J'ai entendu le coup de feu là? Oui, ils utilisent un peu la calache comme un klaxon, non? Oui, ils utilisent leur calache comme un klaxon. Et même leur mitrailleuse lourde des fois. Restez discrets, les gars. Bien reçu. Ne vous faites pas remarquer et faites passer le message. Donc cette route est libre, mais dès qu'on sort de ça, c'est dangereux. Ouais, surtout quand tu tournes à gauche. Si tu vas à gauche, c'est la ligne de front. Donc le gouvernement, lui, ne tient qu'une ligne qui fait 6 km de long sur 3 km de large, c'est ça? Ouais, c'est tout. Tiens, regarde là-bas, c'est la ligne de front. Et les lignes de front sont saupoudrées un peu partout dans la ville. À Mogadiscio, les combats de rue sont d'une brutalité rare, où l'ennemi n'est qu'à quelques mètres en face. Dans ces conditions, personne ne sait vraiment qui est en train de gagner. En revanche, les civils, eux, perdent. L'année dernière, 2000 d'entre eux sont morts rien qu'à Mogadiscio. Ici, on est dans la vieille ville. This is the old town? Donc ici, Bachir, c'est impossible pour moi de sortir dans la rue et marcher tranquillement. Oui, absolument. Mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver en gros? Tu sais, les gens ici, quand ils voient un blanc, ils disent, regardez ce mec, c'est 2 millions de dollars sur patte. Chaque jambe vaut 1 million de dollars. C'est un blanc kidnappé vaut 2 millions de dollars. C'est énorme ici. Donc il n'y a plus d'ONG, plus de journalistes, plus rien. Non, il n'y a plus personne. Salut. On va dans cette direction. Tu devrais rebrousser chemin car la situation est tendue là-bas. Reviens quand ce sera plus calme. Malgré le risque, Bachir continue sa route. Car il veut me montrer l'un des rares exemples d'une situation normale dans son pays. Il m'amène dans le seul lieu public en sécurité, Diego. Le marché aux poissons. Ah, c'est du thon. Tuna, yes. Et c'est un requin marteau. Ici, on trouve de tout. Requin marteau, espadon, thon, mérou. Les étals débordent de poissons. La seule richesse de la ville aujourd'hui. Donc c'est incroyable dans une ville qui est complètement détruite. Il y a un marché énorme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait la raison pour laquelle il y a autant de poissons ici, c'est comme il y a des pirates qui empêchent les grands bateaux commerciaux de venir pêcher dans les eaux de la Somalie, il y a énormément de poissons. Donc en fait les pirates, c'est bon pour l'écologie. Ok, bye bye.
Assalamu. Je ne suis là que depuis quelques heures, mais Bachir veut me faire partager son amour pour sa ville. Tu vois ici, c'est le paradis. Tous les autres pays d'Afrique nous envient. Regarde notre front de mer, comme il est beau. C'est super beau, il y a du soleil, tout quoi. Il y a des poissons. On peut faire griller les poissons là, sur la plage. Il suffit de jeter une ligne quoi. Regarde ici, c'est idéal pour monter un resto. Est-ce que tu as un rêve un jour de pouvoir transformer cette ville en paradis pour touristes? Absolument. Mon plus grand rêve, tu vois, c'est de créer une agence de tourisme dans ce pays, pour faire venir les gens qui veulent visiter la Somalie. Pas seulement à Mogadiscio, mais partout en Somalie. Une fois que la guerre sera finie, on pourra aller partout. J'espère qu'un jour, plein de touristes viendront en Somalie. Et on pourra oublier tout ça. Oui, je sais, mais c'est justement pour ça que je ris, parce que tu m'expliques tout ça et ça tire derrière. Ouais, il y a des combats ici, mais je suis sûr qu'un jour, ça s'arrêtera. Ça ne pourra pas continuer pour toujours. Non. Mais avant la paix, il y aura encore de la guerre, beaucoup de guerre. Alors je demande à Bachir de m'emmener sur la ligne de front, à 2 kilomètres à peine de la plage. Ici, c'est gilet pare-balles obligatoire pour les Blancs. Mais apparemment, ils n'ont pas toutes les tailles. Bon, en fait, là, je suis avec l'un des commandants qui a sa propre petite armée. En fait, c'est un combattant freelance qui faisait partie du gouvernement avant, mais qui a quitté maintenant. Et donc là, aujourd'hui, il a sa propre armée qui se bat contre les troupes du Shabab. Le général Idé et ses troupes font partie d'une milice islamique radicale qui avait rejoint Al-Shabab il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il a changé de camp. Et sa milice se bat avec le gouvernement contre ses anciens alliés. Comme toute chose en Somalie, la situation est compliquée. La guerre, c'est notre quotidien depuis toujours. Si seulement on avait la paix, on pourrait tous retourner cultiver nos terres. Mais Al-Shabab, notre ennemi, il ne s'arrêtera pas avant de nous avoir coupé la gorge. Donc on préfère mourir l'arme à la main. Le général finance sa petite armée grâce aux rentes des terres qu'il possède. Mais alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que la communauté internationale fasse attention à ce qui se passe en Somalie? En Somalie, on trouve des groupes terroristes qui viennent de partout dans le monde. Si on laisse la Somalie seule face à ce problème, ces terroristes finiront par agir dans le monde entier. Il faut que la communauté internationale et le gouvernement somalien travaillent ensemble, sans division. Et donc, ça fait combien de temps que vous vous battez dans votre vie? J'ai commencé à me battre en 1977. Et ça ne vous fatigue pas au bout d'un moment? Je n'ai qu'un vœu, la paix pour mon pays. Mais moi, je n'ai pas le choix. Ce qui est incroyable, c'est que Mogadiscio est une ville tellement belle, près de la mer, si ensoleillée. C'est vraiment du gâchis. Ce que tu vois ici, ce n'est pas Mogadiscio. Cette ville a été détruite et ça me fend le cœur. Tu ne peux pas imaginer la beauté de cette ville avant la guerre. C'est tragique. Elle est loin, la ligne de front, là? La ligne de front est juste en face, mais c'est très risqué. À mon avis, n'avançons pas plus loin. Ne prenons pas plus de risques. Mais bon, entre ma vie et l'interview, je préfère faire l'interview. Finalement, le général accepte de se rapprocher de la ligne de front. Mais soudain, la situation change. Bon là, il faut y aller parce que les combats se rapprochent. Donc, we have to go. Mais
les combats à Mogadiscio ne se font pas que dans les rues. Il y a un autre type de guerre, celle des ondes. Le Premier ministre et le ministre de la Défense condamnent fermement les attaques sauvages perpétrées dans la ville de Mogadiscio aujourd'hui. Un attentat suicide a coûté la vie à de nombreuses personnes ce matin. Le ministre de l'Information a décidé d'envoyer de l'argent aux enfants des parents tués dans l'attaque. Alors, je suis ici dans les studios de Radio Mogadiscio, c'est la plus grande radio de la ville. Mais la particularité de cet endroit, c'est que les journalistes comme les techniciens de cette station, eh bien, ils sont menacés de mort par les groupes d'Al-Qaïda à Mogadiscio, donc ils ne peuvent pas quitter la radio. Les combats sanglants n'affaiblissent pas la détermination du gouvernement de combattre Al-Shabaab par tous les moyens. Donc c'est assez étonnant puisque cette radio est devenue en fait une prison pour eux. Ces murs et ces soldats de l'Union africaine sont les seuls remparts qui protègent la liberté d'expression dans la capitale. La Somalie est le pays le plus dangereux pour les journalistes. En 5 ans, une vingtaine d'entre eux a été assassinée par les islamistes. À 22 ans, Sagal Saïd est l'une des rares reporters femmes de la ville. Est-ce que c'est vraiment difficile d'être journaliste ici? Pour vous, par exemple, vous faites comment? Être journaliste ici, c'est vraiment compliqué. Si je dis la vérité, les islamistes me menacent de mort. Mais si je dis trop la vérité, alors c'est le gouvernement de transition qui fait pression sur moi. C'est pour ça que c'est si difficile de faire ce métier ici. Mais vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, si vous devez aller faire un reportage à l'extérieur, vous portez une burqa, un hijab? Je ne peux pas sortir sans être complètement couverte. Et comment veux-tu faire des interviews quand tu as le visage complètement caché? Personne ne va te parler sans savoir qui tu es. Pas dans cette ville. Donc, c'est difficile d'être journaliste ici, mais c'est encore plus dur d'être une femme journaliste. C'est ça. Mohamed Ibrahim est l'un des responsables de la radio et il m'embarque pour un petit tour du propriétaire. C'est le toit ici? Bonjour. Ça va? Reste bien planqué si tu vas sur le toit. Parce qu'il y a des snipers un peu partout. Ah, il y a des snipers, donc il faut que je baisse la tête, c'est ça? Ok, merci du conseil. Hein. Vas-y, tu fonces. Fais gaffe. Voilà, à cause des snipers, il faut courir super bas, là. Qui nous tire dessus, là? C'est le Shabab, bien sûr. Regarde, ils sont juste là-bas. Les tirs viennent de l'ouest. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils tirent sur la radio, comme ça. Ils tirent sur cette antenne-là. Pour couper les transmissions? Oui, ils veulent nous bâillonner. Ils tuent nos journalistes. Et d'ailleurs, en mai dernier, ils en ont tué un. Ils l'ont enlevé? Non, ils l'ont assassiné en pleine rue. Ils l'ont abattu et puis c'est tout. Et ils nous appellent sans cesse pour nous menacer. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Et ils disent, toi, on va te choper et on va te tuer. C'est pour ça qu'ils veulent détruire notre antenne. Mais on en a une deuxième de secours. Si le bruit des armes est devenu la bande-son quotidienne de la ville, Mohamed, lui, a décidé de protéger un autre type de musique. Ils n'aiment pas Radio Mogadiscio, parce qu'on joue de la musique à l'antenne. Et ça, c'est interdit, selon eux. Ah bon? Ils ont interdit la musique dans toutes les radios de la ville. Et il y a 12 radios FM ici. Il y a 12 radios dans la capitale et aucune d'entre elles ne joue de la musique. Non, non, nous sommes les seuls à le faire. C'est pour ça que les islamistes ont la haine. Mais tous les jeunes nous écoutent. Et tu sais, il y a une enquête d'opinion faite par la BBC. Dis donc, c'est pas tombé loin, ça. Je crois que ça vient de là-bas.
Et l'enquête, elle disait quoi? Regarde, c'est là, juste en face. C'est pas simple de vivre sous les bombes comme ça. Bien sûr, mais tu sais, ces islamistes sont un phénomène nouveau. C'est venu de notre pays? Oui, de l'extérieur, et ça n'a rien à voir avec notre tradition musulmane. On a toujours eu de la musique, une vie normale. Donc ce sont eux qui nous attaquent, et je pense qu'ils partiront un jour. Oui, mais ils sont pas loin quand même, hein? Oui, ils sont très près, pas plus de 300 mètres. Mais notre morale tient bon. Et on a aussi du monde qui nous soutient. Je voulais que tu nous fasses découvrir la ville, mais bon, on ne peut pas sortir la tête, donc c'est compliqué. Bien sûr, on va les attaquer maintenant. Donnant. Voilà, ça arrive. Je vais te montrer maintenant quelque chose d'unique ici. Vraiment ? Qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Afrique. Les chansons sont en Somali ce que les livres d'histoire sont dans d'autres pays. Jusqu'en 1972, il n'y avait pas de langue écrite officielle. Donc c'est quoi? C'est comme votre héritage, ça, non? Oui, c'est ce que nos grands-parents et nos parents nous ont légué. Pour nous, pour tous les Somaliens. Ce sont les archives de tout un peuple. C'est la base de notre culture. Ah, donc montre-la-moi, cette archive. Oui, oui. Ici, on archive toutes les chansons par leur nom. Donc tout est enregistré sur papier et c'est l'une des plus grandes archives sonores d'Afrique. C'est bien ça, l'une des plus grandes du continent, avec plus de 500 000 chansons et poèmes qui sont ici. Et Al-Shabaab a interdit tout ça. Ouais, ils refusent qu'on joue notre musique et c'est pour ça qu'on se bat contre eux. Quand Shabaab est arrivé ici à Mogadiscio, ils ont essayé de brûler les archives, mais des forces spéciales les ont défendues. Des poèmes, des chansons d'amour, des discours politiques, ces étagères sont peut-être le dernier endroit où l'histoire de la Somalie est préservée. Aujourd'hui, l'UNESCO aide Radio Mogadiscio à numériser ses enregistrements, qui remontent jusqu'en 1947. Donc que va-t-il arriver à ce trésor ? Ces chansons, c'est notre vie, notre oxygène. On veut tout numériser pour pouvoir les mettre hors de portée de Shabaab. Et c'est pour ça que je suis ici, pour protéger ce patrimoine. Je veux que mes enfants puissent en profiter. Est-ce que tu penses que les Shabaab veulent détruire tout ça pour effacer le passé? Bien sûr, c'est ça qu'ils veulent. Tout effacer, raser notre histoire. Ce que tu vois ici, c'est notre force, notre seule force. C'est notre histoire et notre poésie. Nos parents et nos grands-parents ont eu le courage de créer tout ce que nous avons. Et les islamistes, eux, veulent détruire tout ça pour que nous soyons nus, incapables de nous défendre face à leur propagande. La guerre a détruit des maisons, des bases militaires et même des hôpitaux. Mais ils ne toucheront jamais à notre littérature, à nos chansons. Tout ça, c'est notre héritage, et nous l'aurons à jamais. Bon, alors dehors, il fait encore plein jour, c'est normal, il n'est que 4 heures d'après-midi. Alors ce qui est étonnant ici, c'est qu'à 4 heures, c'est l'heure du couvre-feu dans toute la ville. Alors moi, dans les autres zones de conflit où j'ai pu être en couvre-feu, c'est le soir ou en fin d'après-midi. Et donc là, c'est à 4 heures. Donc là, toute la ville s'est vidée. Moi, je vais être obligé de dormir ici à Radio Mogadiscio parce que je ne peux pas retourner chez Bachir pour dormir. Et alors, quelqu'un me disait que même Dieu n'ose pas sortir à Mogadiscio après 4 heures d'après-midi.
C'est le même rituel chaque soir pour la centaine d'employés de Radio Mogadiscio obligés de vivre ici. La vie s'organise tant bien que mal. Ah, ça marche, ça marche. Ah non. Ah, c'est vraiment la galère. La nuit tombée, je retrouve Sagal dans sa chambre. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Et toi, comment tu vas ? Ça va, tranquille. Bon, bah allez, à tout à l'heure. Alors c'est ici que vous vivez ? Oui, c'est pas grand-chose. Et là, tu vois, on a notre premier maquillage. Tu vois, c'est assez simple, en fait. Ah ouais, tous vos produits de beauté. Il y en a pas mal. Regarde cette belle jupe avec toutes ces couleurs. J'adorerais porter ça avec un joli petit haut. Je pourrais enfin ressembler à une vraie fille. Mais ça, vous ne pouvez pas le porter. Non, non, c'est impossible. Même ça, regarde, c'est un foulard noir, léger, branché. Comme ça, là, tu vois, hop. Mais même ça, je peux pas le porter. Même comme ça, tu ne peux pas sortir. Non, bien sûr que non. Non, 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 c'est impossible. Mais alors, vous faites comment pour... Enfin, vous êtes deux jeunes filles, et vous faites comment pour sortir avec les garçons? Ils sont où, vos mecs? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Il n'est pas croyable, celui-là. Non, mais je suis sérieux. Si vous ne pouvez pas sortir, si vous ne pouvez pas vous habiller, ni même parler à un garçon, on fait comment? Ben, tu vois, on utilise le portable. Regarde, il y a même un texto que je viens de recevoir. C'est ton copain qui te l'a envoyé, ça. Le seul côté positif, c'est qu'ici, le sexe, c'est sans risque, hein. Rien ne peut vous arriver. C'est quand la dernière fois que tu as vu ton petit ami? Oh, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Oh, en fait, ça fait plus de 2 ans. 2 ans? Je vais te montrer quelque chose. Il n'y a pas que leurs copains qui leur écrivent des textos. Les islamistes leur en envoient aussi. Regarde, c'est Al-Shabaab. En gros, c'est une menace de mort. Oui. On va te tuer si tu continues. Mais c'est un peu une prison pour vous ici, non? C'est mieux de vivre ici que d'être dehors, parce que sans ces murs, je serais déjà morte. Al-Shabaab ne peut pas nous toucher ici, donc nous sommes en sécurité. J'adorerais pouvoir partir, mais si je le fais, ils m'attraperont tôt ou tard et ils me tueront. Pour les civils, Mogadiscio est devenu une prison géante à ciel ouvert. Après 20 ans de guerre, il n'en reste pas beaucoup qui gardent espoir. Pour ceux qui n'en peuvent vraiment plus, leur seul refuge est ici, dans l'hôpital psychiatrique de la ville. Voici le docteur Habeb. En fait, c'est juste un infirmier. Mais lorsque les vrais médecins ont fui les combats, eh bien lui, il est resté seul avec ses patients. C'est des tirs de mortier, là? Oui. Ça arrive souvent? Bien sûr. Bonjour, ça va? Pourquoi vous êtes là? Je suis malade dans ma tête. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un problème. Avec quoi? Avec la Somalie. La Somalie? Oui, parce qu'ici, il y a toujours des tirs, boum, boum, tout le temps. Et puis, il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a que la guerre civile. Vous n'avez connu que la guerre dans votre vie?
Oui, et puis moi, j'ai pas de vie. La Somalie, c'est pas une vie. Que lui est-il arrivé, docteur? Il souffre de stress post-traumatique. Il a vu trop de morts autour de lui, de morts et de blessés. La majorité des 70 patients ici souffrent de stress post-traumatique dû au combat. Une condition psychiatrique très compliquée à soigner dans les meilleures conditions. Donc ici, c'est pas gagné. C'est quoi ici, docteur ? C'est la cuisine. Alors, chaque patient a le droit à 3 galettes comme celle-ci. 3, tu vois ? Oui. Ok. Ensuite, un peu de bouillon. Merci beaucoup. Du pain, du bouillon. C'est comme ça que vous les nourrissez. Mange. Non, non. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Non, mais moi j'ai un petit estomac d'Européen. Vous êtes le seul à faire ça ici? Oui, le seul. Dans toute la Somalie. La méthode douce du docteur Abeb est à des années de lumière des méthodes traditionnelles en Somalie. Regarde cette chaîne. C'est comme ça qu'ils font. En Somalie, on enchaîne les fous aux arbres, c'est ça? Oui, on les enchaîne. On les enchaîne. On enchaîne les mains, les pieds et le cou à un arbre. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je veux dire bonjour. Je veux juste vous dire qu'il faut que vous apportiez la paix ici. Il veut la paix. C'est un job encore plus compliqué que le vôtre, ça. Au fil des ans, Dr Abeb a ouvert 7 cliniques dans la capitale et gère aujourd'hui 250 malades. Un travail de titan. Chaque jour, il donne des sédatifs à ses patients. De quoi les garder relativement calmes au milieu des combats qui font rage dans la ville. Ici, tout est financé par des dons privés. Juste de quoi nourrir et héberger les patients. Je peux en prendre aussi, moi? Yes, Monsieur Diego est sur la liste. Oui, une pilule pour vous. Ça va te faire dormir, ça va te faire dormir. Malgré son sourire, le docteur Abeb est débordé par la détresse de ses patients. Après 20 ans de guerre, les Somaliens ont besoin de l'aide psychiatrique. Nos patients souffrent tous de stress post-traumatique. Il y a trop de morts, trop de blessés, trop de... Je suis seul. Je suis qu'un homme seul. Je gère 7 cliniques. Je ne peux pas continuer comme ça pour toujours. Je suis à bout. Nous n'avons aucun moyen. Rien. Vraiment, j'en peux plus. La ville est en train de s'effondrer sur elle-même. Mais il y en a quelques-uns qui tentent de recoller les morceaux. Une mission presque impossible. Bon, voilà, je suis venu dans le port de Mogadiscio pour rencontrer un homme qui doit avoir le job le plus difficile de la planète, puisque c'est lui qui doit reconstruire la marine somalienne. La Somalie ne contrôle plus aucun de ses 3000 km de côte. Et avec des pirates toujours plus actifs, le pays n'a jamais autant eu besoin d'une marine. Regarde, ça c'est toute notre flotte. Ah, c'est votre flotte? Oui. C'est pour ça que l'amiral Hassan a été rappelé de sa retraite pour aider son pays. Il y a 30 ans, la Somalie avait la plus grande flotte d'Afrique, avec des patrouilleurs amphibies, des navires lance-missiles et même une frégate. Il y avait combien de bateaux avant dans la marine? 10.
10 bateaux? Non, des navires, pas des barques comme ça. Et maintenant, il ne vous reste plus que ça? On dirait un cimetière d'éléphants. Oui, c'est ça. Parce que c'est blanc, comme l'ivoire. La marine s'est effondrée en 1991 avec la chute du gouvernement de l'époque. Aujourd'hui, il ne reste plus que ces barques. Celui avec le moteur, il n'est pas à nous. Ah bon? Non, il appartient aux pêcheurs. Mais vous allez faire comment pour réparer cette marine? C'est une responsabilité énorme. Oui, je sais, je sais. Aujourd'hui, il y a tout à refaire. Aujourd'hui, il n'y a rien, zéro. Mais si certaines personnes nous aident, comme les États-Unis par exemple, et qu'ils nous donnent de l'argent à notre gouvernement, alors le gouvernement nous donnera les moyens de reconstruire notre marine. On pourra alors faire quelque chose contre les pirates et les enlèvements. C'était quoi le nom de cet hôtel? Uruba. Uruba. C'était un super hôtel. Il y avait des discothèques, des femmes magnifiques. Des femmes et des discothèques? Et de la bière aussi. Et de la bière aussi? Ici à Mogadiscio? Oui, bien sûr. Mais c'est dur à imaginer parce qu'aujourd'hui, tout le monde porte le voile. Oui, mais ça, ce sont les musulmans de maintenant. À l'époque, c'était autre chose. On était jeunes, on venait ici pour danser. Vous dansiez sur de la disco? Oui, juste là. Tu sais, la Somalie, c'était magnifique. L'un des plus beaux pays. Et regardez, aujourd'hui, on ne peut même pas sortir sans 50 hommes armés. Pourquoi est-ce que la Somalie a sombré comme ça? Oh, tu sais, certaines personnes n'ont pas de goût. Ils n'ont pas de goût? Oui, donc ils font la guerre parce qu'ils ne savent pas apprécier les bonnes choses de la vie? Mais oui, c'est ça. Donc quoi, les gens d'Al-Shabaab n'ont pas de goût? Non, 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 absolument aucun goût. Notre vieux loup de mer arrive tout juste à faire flotter ses barques. Pourtant, le pays est confronté à une crise maritime sans précédent. Car aujourd'hui, rien n'arrête les pirates somaliens qui s'attaquent à tout l'océan Indien. L'une des routes navigables les plus chargées de la planète. Pour une fois, il y a une ligne de front qui n'est pas à Mogadiscio. Celle des pirates se trouve dans le nord du pays, au Puntland. Une région qui a fait sécession du reste du pays. Depuis 10 ans, c'est devenu le repère des pirates qui terrorisent les mers alentours. Le seul problème, c'est que les aérodromes ne courent pas les rues au Puntland. Donc après le vol, la route m'attend. Des centaines de kilomètres de route. Comme vous avez pu le remarquer, le Puntland, c'est assez aride, c'est que du désert ici, il n'y a pas grand chose. Enfin, un peu d'élevage de moutons et de chameaux. Donc, c'est pas étonnant que les gens soient tournés vers la piraterie parce que ça rapporte des millions de dollars chaque année dans cette région. Alors en fait, ça a commencé il y a une dizaine d'années avec des pêcheurs somaliens qui attaquaient des bateaux de pêche étrangers qui venaient pêcher dans leurs eaux. Et maintenant, au fil des années, c'est devenu un véritable business. Là, je crois qu'il y a 55 bateaux qui ont été capturés, 800 otages. Et donc, comme je disais, ça rapporte des millions de dollars chaque année. Donc c'est une vraie entreprise. Aujourd'hui, ça va être très difficile à démanteler. Les pirates n'ont peur de rien. Ils arraisonnent aussi bien des super pétroliers comme des voiliers de plaisance. Et les navires de guerre occidentaux qui patrouillent l'océan ne semblent pas leur faire peur.
Alors, la solution, c'est peut-être sur la terre ferme qu'on peut la trouver, dans ce port de la mer Rouge. Bon, voilà, je viens d'arriver à Bossasso. Alors ça, c'est plus l'océan Indien, maintenant c'est la mer Rouge. Et c'est absolument magnifique d'ailleurs. Et ici, c'est l'un des centres du combat contre la piraterie en Somalie. Thank you, Governor. Thank you so much. Ali Youssouf est le gouverneur de la région de Bossasso. Et il fait avec les moyens du bord pour combattre les pirates. Pour vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment des pirates attrapent d'énormes navires avec des barques comme celle-ci. En fait, ils montent à 5 ou 6 avec des armes et une échelle. Une grande échelle. Et lorsqu'ils arrivent près du navire, ils lancent l'échelle et montent à bord. Et ils ont quoi comme arme alors? Alors, ça, c'est un Milan. Ah, c'est français ça? Oui, oui. Et ça, c'est un RPG-7, bazooka. Mais donc, si on tire avec ça sur un pétrolier, tout explose, non? Ah bah, en fait, ils ne veulent pas faire sauter les bateaux ou tuer qui que ce soit. Le but, c'est seulement d'obtenir une rançon. Les armes, c'est pour faire peur aux équipages. En fait, ils tirent en l'air. Mais ils gagnent combien, ces pirates? Quand ils attrapent un gros pétrolier, par exemple. Entre 5 et 10 millions de dollars. Mais les pirates ne voient pas de telles sommes. Ah, donc les pirates ne gagnent pas énormément. Donc qui récolte de gros lots, les 10 millions de dollars? Je pense que ce sont des gens dans d'autres pays. Où c'est, à Dubaï par exemple? Oui, Dubaï, mais aussi au Royaume-Uni, dans d'autres pays européens et en Afrique aussi. Ce sont quoi, des hommes d'affaires? Oui, des hommes d'affaires. C'est impossible que 5 jeunes pirates somaliens touchent 10 millions de dollars. Oui, donc pour vous, c'est impossible que des jeunes pirates aient autant d'argent. Mais oui, ils pourraient racheter toute la Somalie avec une somme pareille. 10 millions de dollars. C'est un bon business, non? Non, c'est un très mauvais business. Oui, mais bon pour les hommes d'affaires. Le gouverneur Youssouf gère aussi la seule prison du Puntland. Ici, on l'appelle le bagne des pirates. C'est la plus grande prison du Puntland. Tous les prisonniers du pays se trouvent ici. 260 prisonniers, tous condamnés par la justice du Puntland, dont certains purgent des peines de perpétuité. Les pirates sont isolés du reste de la population? Non, ils sont tous mélangés. Mais ici, la majorité des hommes sont des pirates. Il n'y a pas tant de crimes que ça à commettre au Puntland. La piraterie, c'est le crime le plus fréquent en ce moment. Donc vous êtes le dernier rempart contre les pirates? Bah, la piraterie, c'est notre guerre. Et nous nous battons quotidiennement contre elle. Pour parler aux pirates, il faut d'abord faire appel à l'un des chefs. Tous ces hommes disent qu'ils étaient pêcheurs avant. Tout a commencé avec des chalutiers étrangers qui venaient pêcher dans nos eaux et d'autres navires dégazés en mer. Soudain, nous n'avions plus de poissons à manger, plus rien. C'est pour ça qu'on est devenus des pirates, parce qu'on n'avait pas le choix. Tant qu'ils continueront à piller notre mer ou à la polluer, eh bien nous, on continuera à être des pirates. Donc la piraterie, c'est de l'autodéfense pour vous? Le choix est simple, la piraterie ou la mort. Alors moi, j'ai choisi de prendre l'argent et de survivre. C'est vrai tout ce qu'il raconte? C'est en partie vrai. Il y a une surpêche et ils ont beaucoup souffert. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont dégénéré. Des otages ont été tués et trop de navires sont arraisonnés. Mais le vrai problème dans la région, c'est le chômage. Les jeunes n'ont pas de travail. C'est quoi le plus grand navire que vous ayez attrapé? Un pétrolier saoudien. Il devait faire au moins 400 mètres. Mais un pétrolier, c'est grand comme un immeuble? Vous faites comment pour grimper? La faim te donne des ailes, mon vieux. Ouais, quand t'as faim, tu peux tout faire.
comme Superman. Superman. Je pourrais même t'attraper toi si tu restes trop longtemps ici. Ouais, tu vas m'enlever? Bon, je m'en rends. Je m'en rends tout de suite. Ok, I surrender. Un autre jour, une autre région autonome. Bienvenue dans le Somaliland. Capitale, Hargeisa. Bon, je ne sais pas si vous remarquez là quelque chose d'assez exceptionnel. Je suis seul en train de marcher sans garde du corps, tranquillement, dans le Somaliland. Donc là, je suis dans la capitale, à Hargeisa. Donc le Somaliland, c'est pas tout à fait comme le Puntland. Le Puntland, c'est une région autonome, mais qui fait partie d'un gouvernement fédéral de la Somalie. Ici, le Somaliland, ils ont carrément déclaré l'indépendance. Donc ils ont dit, nous, la Somalie, merci, mais on n'en veut plus. Et donc voilà, donc ils ont créé leur propre pays, leur propre capitale. Et je veux dire que ça a l'air de marcher, puisque on est à peu près parfaitement en sécurité ici. Même si aucun autre pays ne les a encore officiellement reconnus, les Somalilandais, eux, font comme si de rien n'était. Ils ont élu démocratiquement un président, ont formé leur propre armée, et ils ont même une monnaie. C'est combien ça en dollars? Ça, c'est 100 dollars. Donc un comme ça égale un comme ça. Alors, ça plus ça. Et donc tu fais comment pour mettre ça dans ta poche? Si tu veux échanger 100 dollars... Au portefeuille spécial? Bah, il faut prendre un sac plastique. Depuis que le Somaliland s'est séparé de la Somalie en 1991, la région est devenue un havre de paix. Et chacun ici y va de son mieux pour créer de toutes pièces un gouvernement. Bon alors, comme je vous le disais, nous sommes ici dans un nouveau pays. Donc ça, c'est le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme. Et je suis là pour rencontrer une femme qui se bat pour faire du Somaliland une nouvelle destination touristique. Alors, il y a du travail, mais elle, elle y croit. C'est par là. How are you? Good. Yes, Sada? Bonjour Sada. Ça va? Bonjour Diego. Comment vas-tu? Bienvenue au Somaliland. Thank you, Somaliland. Je découvre l'office du tourisme. Sada Mireh est la seule archéologue de tout le pays. Sa famille a fui la guerre en Somalie et après avoir fait ses études en Angleterre, elle est revenue aujourd'hui pour aider à reconstruire le Somaliland. Tout est à faire, même une carte de la région. Ça doit être un vrai défi que de créer une agence de tourisme pour un pays tout neuf. On se réveille et on se dit aujourd'hui, on va créer le tourisme pour notre pays. En fait, ici, c'est à la fois le bureau du tourisme et de l'archéologie. Je me suis rendu compte que dans mon pays, avec les sites archéologiques, qu'il y aurait un intérêt pour des touristes. Comme ça, des gens viendront pour voir nos sites uniques. Et donc, nous avons décidé de créer cette agence nationale de toutes pièces. Bon, allons voir ce que le Somaliland a à nous offrir. Allez, c'est parti. Mais avant de me faire visiter les hauts lieux du Somaliland, Sada m'explique pourquoi les choses sont différentes ici. Le Somaliland veut devenir indépendant parce que les gens ici veulent la paix. Et ça, c'est quelque chose que la Somalie ne peut pas nous offrir aujourd'hui. Ce qui me surprend ici, c'est que c'est la première fois que je vois un bâtiment en construction dans mon voyage. Oui, notre capitale est en plein boom. Et les gens construisent beaucoup, partout. Oui, parce que dans le reste du pays, il n'y a que des destructions. C'est un signe, non? Tout à fait. Tu sais, les gens ici sont heureux de se lever tous les matins. Ils n'ont pas à s'inquiéter de savoir s'ils vont mourir. Et ça fait que les gens peuvent se développer, chercher du travail et envoyer leurs enfants à l'école. Et où vous pouvez avoir des touristes aussi. Oui, oui, tout à fait. Et continuer mes recherches archéologiques aussi.
À quelques heures de la capitale, Hargeisa, existe un sanctuaire archéologique unique. Je suis le seul touriste du pays, donc j'ai le droit à une visite un peu spéciale. C'est quoi cet endroit? C'est presque magique ici. Oh, ici on est à Lasgal, dans la région de Duboto. Et c'est un endroit avec une culture unique au monde. À cause des années de guerre, de famine et de conflits, les grottes de Lasgal n'ont été découvertes qu'en 2002. On arrive enfin. Après toutes ces aventures. Ah, c'est magnifique. Ces peintures du néolithique ont plus de 5000 ans. Elles font partie des peintures rupestres les mieux préservées d'Afrique. Ces peintures représentent des vaches, mais ça veut dire quoi exactement? Sur ce site, ce sont essentiellement des peintures de bétail, mais tu remarqueras que partout ils ont peint des pies de vaches. Juste là, regarde, c'est clairement quelque chose de très important pour cette culture. Car ils ont peint des vaches sans tête ou sans cornes, mais jamais sans pie. C'est quoi? C'est un signe de vie? Oui, de vie, mais aussi d'abondance, de fertilité et de prospérité. Il y a de nombreuses choses qu'on veut nous dire sur ces murs, de nombreux symboles cachés sur leur relation au bétail. Cette grotte et une dizaine d'autres pourraient être prochainement inscrites au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui donnerait une nouvelle dimension au Somaliland, qui n'était jusqu'ici que connu pour ses conflits. C'est quoi votre espoir dans les années à venir pour votre pays? Mon espoir, c'est de protéger notre héritage culturel, de l'étudier, bien sûr, et de faire en sorte que le monde se rende compte de notre richesse. Et bien sûr, de développer le tourisme pour aider nos populations à mieux gagner leur vie. Mais j'espère que ce sera un développement touristique avec du respect. Il n'y aura pas d'immenses hôtels en béton ici. Non, j'espère que non. Nous ferons tout pour l'éviter. Bon ben les amis, c'est la fin du voyage hein, à travers la Somalie. J'espère que ça vous a plu. Entre la guerre à Mogadiscio et ici, un endroit absolument pacifique et magnifique. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et on se retrouvera quelque part d'autre sur la planète. Bientôt. Ciao. I am French. Ok, Diego. Bien. I'm journalist. Diego est rentré d'un des pays les plus dangereux de la planète, à savoir la Somalie. Salut Diego. Ça va? Et toi? Oui. Je veux dire que... La Somalie, d'abord, il faut comprendre que c'est l'un des endroits les plus beaux que j'ai jamais eu à voir. Ouais. Un endroit absolument incroyable avec 3000 bornes de plage au sable blanc. Enfin, tout le monde qui part en vacances au Kenya ou en Tanzanie et qui aime bien, Zanzibar. Là, c'est Zanzibar, mais 100 personnes sur 3000 bornes. Donc c'est vrai que c'est... une espèce de paradis comme ça, complètement abandonné à la guerre civile. Et, ça fait 20 ans, c'est ça? Ouais, 91, ça a commencé. Il y a eu le fameux film « La chute du faucon noir », en fait. Voilà, ça, ouais. Kouchner avec le sac de riz, c'est de là que ça vient. C'est un vrai pays au bord du gouffre. Et en même temps, il y a des gens fantastiques que j'ai pu rencontrer là-bas. Quoi. Sympa ta petite balade de Mogadiscio, j'ai adoré. En plus, ça tire de partout. Hein. Raconte un peu les coulisses de tournage, parce que ça va dû être simple. En fait, moi j'avais une trentaine de gardes du corps. Ouais, ça on voit dans le film. J'ai eu autant de mecs, même à Bagdad j'en ai 5-6, mais jamais 30. Quoi. Ouais. Donc t'avais des mecs avec des lance-roquettes, des mitrailleuses lourdes, des choses vraiment pour se défendre. Quoi. Et donc mon fixeur Bachir qu'on voit là,
qui me guide à travers la ville. Il y a des jours où on ne sortait pas. Mmh. Je dis alors aujourd'hui on fait quelque chose. Il dit non, aujourd'hui on bouge pas. Et t'entendais exploser partout dans la ville. Et t'es là et donc tu restes. C'est long hein, les journées quand tu ne peux pas sortir de quelque part. Donc tu restes dans une pièce. Tu regardes par la fenêtre, tu vois le soleil qui se lève. Tu regardes par la fenêtre, le soleil est au zénith. Tu regardes par la fenêtre, le soleil se couche. Et ça, c'est leur quotidien à eux. Et ça, c'est leur quotidien à eux, bien sûr. Parce que tu, et notamment dans cette radio avec ces femmes journalistes. Oui. Alors les choses sont en train de changer maintenant. Ouais. On ne sait pas pourquoi, personne ne sait exactement pourquoi, mais les islamistes se sont retirés d'une grande partie de la ville et du pays. Ouais. Ils ont essuyé plusieurs grosses défaites militaires. Donc on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais la vie aujourd'hui reprend à Mogadiscio de plus belle. Notre général, notre amiral de la marine, et j'ai appris qu'il était mort, il a fait un infarctus et il est mort. Mais bon, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il montre aussi, à travers ses souvenirs de ce qu'était Mogadiscio à l'époque, avec des soirées, des discothèques, une vie différente. Et je trouve que la phrase qui m'a le plus marqué, c'est qu'il m'a dit « Écoute, la seule chose, c'est que les islamistes n'aiment pas la vie, quoi. Parce que la vie est faite de toutes sortes de petits plaisirs et de grands plaisirs. » Et ils n'aiment pas la musique, parce que la musique est interdite, c'est ça ? Oui, la musique, dans l'islam radical, est interdite parce qu'elle distrait de l'attention que tu dois donner à Dieu. Et tu es resté en contact avec les journalistes de la radio de Mogadiscio ? Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, l'une d'entre elles a décroché un stage avec la BBC Afrique. Ouais. Donc là, elle est en formation pour devenir... Sacrée nana. Hein. Sacrée nana. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est dur d'être un homme déjà dans une zone de guerre. Ouais. Mais dans ces pays, être une femme, c'est vraiment très, très difficile. Je sais pas comment elles font, hein. Honnêtement. Elles ont quoi, la foi ? Elles n'ont pas le choix. C'est ça qui est, ça qui est intéressant, c'est que nous, on est dans des vies qui sont complètement à des années-lumière. Nous, nos vies ne consistent que de choix. Quand tu vas au supermarché, tu as le choix entre 1000 gâteaux différents. Tu vas au cinéma, tu as le choix entre 1000 films différents. Mmh. Ben, quand tu n'as aucun choix, eh ben, il faut faire avec. C'est même que dans les régimes soviétiques, qui étaient terribles aussi. Et voilà, donc là, quand tu n'as que ce choix-là, ben, tu vis et ta vie est un combat. Et donc elles ont non seulement décidé de se battre pour leur propre vie, mais se battre pour la vie des autres. C'est ça qui est un des pays les plus durs que tu aies fait, toi ? Oui, très honnêtement, oui. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de zones de conflit depuis le 11 septembre. Quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que dans plein d'autres endroits, le conflit arrive et repart. C'est-à-dire que c'est sporadique. Quoi. Là, c'est, je te jure, 24 heures sur 24, ouais. Hein, des explosions, des tirs, des explosions. Oui, mais on l'entend à longueur de... Ouais. À longueur de... Et la bande-son, là, c'est une bande-son incroyable parce que... Quand on est au bord de la mer avec Bachir et qu'il est en train de me dire « Ah, regarde, c'est le paradis ici, ici je voudrais faire une grillade et puis là on fera un restaurant et que derrière, t'as des rafales. » Moi, ça me fait rire même. Parce que pourquoi tu dis à un moment donné l'interview plutôt que ma vie ? En fait, je veux aller l'interviewer plus proche des combats. Ouais. Et lui me dit « On n'ira pas plus loin parce que c'est trop dangereux. » Et donc je lui dis effectivement, entre l'interview ou ma vie, je préfère garder ma vie. Quoi. Bien sûr. Ah oui, tu préfères garder ta vie. Je préfère garder ma vie que d'aller faire l'interview au front. D'accord, j'ai compris. Mais en fait, comme les fronts se déplacent, c'est pas un front fixe. Là, on était dans une zone. Après, il voulait me rapprocher un peu. Et tout d'un coup, les combats sont arrivés très proches de nous. Et il a fallu partir rapide. Et comment t'expliques que cette région qui est devenue autonome, Somaliland, c'est Somaliland, ça ouais. Comment t'expliques qu'eux ont réussi à être indépendants ? C'est pas les mêmes peuples. C'est pas les mêmes peuples. C'est des gens qui sont très différents, comme partout en Afrique, différentes tribus tiennent différentes parties de régions du territoire. Et donc c'est pas les mêmes peuples. Donc là-bas au Somaliland, c'est un peuple différent qui a décidé de faire sécession des autres peuples et qui ont leur propre culture, qui sont beaucoup plus homogènes que ce que tu trouves plus dans le sud. D'accord. Mais tu sais, des pays qui ont été en guerre et en conflit terrible, il y en a d'autres qui ont survécu et qui s'en sont sortis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine avec Julien Malan, qui est allé au Pérou. Et alors le Pérou, pendant longtemps, a été proie au Sentier Lumineux, qui était une guérilla terrible, qui a fait des milliers de morts. Et là, aujourd'hui, le pays émerge, se transforme. Et Julien, qui est un spécialiste des arts de la rue, eh bien, nous a rapporté quelques belles pépites de ce pays. Regarde. Avant de commencer à peindre, il faut du matériel. Et ici, le matériel à Sarroi, on ne le trouve pas dans des magasins. Tout se fait naturellement. On vient dans la montagne, on cherche les pigments. Et c'est ici exactement qu'on va trouver la terre de sienne qui va servir à faire la majorité des peintures. Ça, c'est de la cochenille. Ça sert à faire de la peinture. C'est un insecte ? Oui, un insecte, mais aussi pour la peinture. Ah ! On l'écrase et ça fait de la couleur pour la teinture et la peinture. Ça ressemble vraiment à du sang. Oui, c'est la cochenille. Incroyable. Ce sont des tombes de Chancas. Mais qu'est-ce que c'est les Chancas ?
Les anciens habitants de cette région. Qui vivaient ici? Oui, avant les Incas. C'est un truc de malade, ça. Donc voilà, c'est, ouais, ouais. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toutes sortes de pigments qu'ils utilisent. Enfin, bref, non, mais c'est super. Ouais, ouais, ouais. Et donc toi, je crois qu'on va te retrouver dans quelques semaines, puisque tu vas nous présenter ton film que tu as fait sur Barcelone. Mmh, vous allez voir que l'Espagne, en ce moment, est en proie à aussi une autre crise qui n'a pas de guerre, mais économique. Qui peut faire beaucoup de victimes. Peut faire beaucoup de victimes aussi, même s'ils ne font pas toujours la une des journaux. Et donc on te verra dans quelques semaines, je crois, pour nous présenter ton Barcelone. Film sur Barcelone. Merci d'être venu, merci d'avoir fait mon interview. Quand tu veux, Diego. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine avec Julien Manant au Pérou pour un très beau voyage, puisqu'il est allé des forêts amazoniennes aux Andes en passant par la très belle côte pacifique du Pérou. Donc ne ratez pas cet épisode. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de notre planète. À la semaine prochaine. Ciao.